Bonjour chers téléspectateurs et bonjour à vous, charmant public. Merci de vous applaudir très très fort. Eh bien, c'est un bonheur pour moi de vous retrouver ce soir encore pour cette grande émission. Grande émission parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la grande finale de la compétition Mon Super Talent Artistique de cette année 2024. Au terme donc de cette émission, nous saurons qui sera le super talent artistique de cette saison 6. Eh bien, je suis heureux de me retrouver une fois de plus en compagnie des membres du jury et des candidats que je salue très fort pour le travail acharné qu'ils auront livré tout le long de cette saison 6. Merci de les applaudir. Merci beaucoup. Alors, cher public, pour rappel, Mon Super Talent Artistique est une compétition où 5 candidats ont été sélectionnés pour compétir sur des thèmes qui ont été choisis par les membres du jury. Nous avons eu droit cette année à 2 cas pratiques que je vous propose maintenant de revivre en images sans plus tarder. C'est parti. Eh bien, chers téléspectateurs, nous venons ensemble de revivre les temps forts de cette grande compétition Mon Super Talent Artistique. L'heure est à présent à la révélation des différentes œuvres et à l'explication de ces œuvres par les artistes ici présents. Eh bien, nous commençons par le thème Cannes Côte d'Ivoire 2023, quel souvenir. Ensuite, nous finirons sur le second thème, réchauffement climatique, enjeux et actions citoyens. Je vais me tourner à présent vers le candidat numéro 1 pour démarrer cette série d'explications, Armel Thierry. Merci Fabrice. Bonsoir chers membres du jury. Bonsoir chers publics. Alors je suis le candidat numéro 1, Armel Thierry. En ce qui concerne le premier thème, Cannes Côte d'Ivoire 2023, quel souvenir. Il faut dire que c'est un thème qui est assez ouvert parce que durant le déroulé de la Coupe d'Afrique, il y a eu plusieurs événements. Ce qui m'a le plus marqué ici, c'est cette amitié qui s'est vue renforcée encore davantage entre la Côte d'Ivoire et le Maroc. Et moi, dans mon œuvre ici, que j'ai réalisé. J'ai mis en évidence ici un éléphant, ce gros mastodonte ici, pour montrer ici l'esprit fort des Ivoiriens. C'est pourquoi dans ce tableau, vous allez voir que j'ai réalisé ici une scène de réjouissance qu'on a partagée avec le Maroc. C'est ce que j'ai essayé d'illustrer plus ou moins ici dans mon tableau avec des couleurs assez gaies. En ce qui concerne le deuxième thème, aujourd'hui lorsqu'on entend parler du réchauffement climatique, c'est un fléau qui ne passe pas inaperçu. Parce qu'il faut dire, dans les mois précédents, nous avons tous subi ici le courroux de la chaleur. On s'est tous plaints. Mais il faut dire aussi que nous sommes à la base ici, à l'origine même de ces conséquences-là. Parce que les actions aujourd'hui menées par tous les habitants de cette planète, j'ai comme l'impression que ces actions-là vont dans le sens de la destruction du globe terrestre. Et ça, c'est pas intéressant. C'est pourquoi dans mon œuvre ici, vous allez voir un monde chaotique où on a deux personnages, un père et son fils, et le père tient en main un cerveau. Le cerveau aussi symbolise la conscience, la prise de conscience qu'on doit tous avoir face à ce danger qui nous guette. Parce que si on ne fait rien, c'est le monde qui reste et les habitants vont tous disparaître. Et moi, en tant qu'artiste, j'éveille ici cette conscience-là afin que tout le monde, chaque citoyen, puisse poser ici une action qui favorise ici la protection du globe terrestre. Parce qu'il faut dire, le monde nous offre tout ce dont on a besoin. Mais qu'est-ce que nous, on offre en retour si ce n'est que destruction? Et quel héritage on veut laisser à nos enfants? Et c'est pourquoi je me suis illustré dans ce tableau-là, afin de léguer ici cette protection-là à nos enfants. Cette action qui nous permet ici d'avoir un monde merveilleux demain. Merci. Candidat numéro 2, Alain Siloué. Merci Fabrice. Concernant la première thématique,
J'ai décidé de réaliser au premier plan deux personnages. Un qui est accroupi et l'autre qui est en train d'épauler, d'aider celui qui est accroupi. Au second plan, j'ai décidé comme cela de représenter une foule. Et enfin, dans le fond, j'ai opté ici de coller la carte de l'Afrique pour symboliser un peu les différents pays qui ont participé à la CAN. D'abord, il faut le dire, comme outil, j'ai utilisé les empreintes. Pourquoi les empreintes de pas? Parce qu'à la fin de cette CAN, la seule chose qu'on a pu laisser au stade, ce sont les pas, les empreintes. Concernant la deuxième thématique, j'ai personnifié le monde à travers une femme qui a attrapé un œuf. Et dans le fond, nous pouvons observer ici la carte du monde entier. Ou juste ici, rappeler que le phénomène du réchauffement climatique est un problème à tous. Un problème posé ici par moi, vous, tous, ici dans ce monde. Donc j'ai représenté ici la femme ayant l'œuf en main pour symboliser un potentiel de croissance, de renouveau, de renaissance. Cette femme ici, pour moi, ici symbolise la dualité entre la beauté de la nature que j'ai symbolisée à travers la couleur verte et les impacts dévastateurs des différents individus sur la société. Donc, j'aimerais, à travers mon œuvre, sensibiliser chaque individu à prendre soin de notre environnement comme un œuf. Merci beaucoup. Candidat numéro 3, Galati Kouassi. Merci Fabrice, merci aux chers membres du jury de me donner la parole pour exprimer mon travail. D'abord, mon souvenir s'étend sur la résurrection de l'équipe ivoirienne. Je me suis souvenu de l'engouement des supporters ivoiriens lorsque l'équipe était dans une impasse. L'équipe était déjà enterrée. Et grâce au Maroc, qui n'avait rien à perdre malgré le résultat, la Côte d'Ivoire a eu une deuxième chance. Donc ce sont ces souvenirs-là que j'essaie d'illustrer sur ma toile. En me rappelant aussi des mots que sortaient ces Ivoiriens. On ne vaut rien, mais on est qualifié. Et cette nouvelle chance, elle ne se présente pas deux fois. Donc cette toile-là, je lui ai donné comme titre « La nostalgie d'une couronne ». Pour le thème 2, ici, il faut dire que le réchauffement climatique touche toute la Terre. En parlant ici du développement, l'homme s'expose au danger de son développement, en passant par les usines et tout. Nous voyons des fumées qui sortent et qui vont dissoudre l'atmosphère que nous avons avant que le réchauffement climatique ne prenne place. Et donc le chaos que ça crée, c'est la disparition des vies humaines et aussi animales. Pour remédier à ce phénomène, je me suis donc penché sur l'enfant qui est l'avenir. Pour dire que pour construire notre lendemain, il faut dès maintenant inculquer des valeurs, c'est-à-dire de savoir éduquer nos enfants pour ne pas répéter les mêmes erreurs que nous avons faites lorsque nous en avons eu la chance. Donc ici, l'enfant est porté vers un monde meilleur qui interpelle tout le monde sur comment remédier ou du moins ralentir le réchauffement climatique en s'intéressant au reboisement. Et donc pour cette toile, j'ai intitulé « Repenser le climat ». Candidat numéro 4, Jean Parfait, Adjei. Merci Fabrice. Alors pour le premier sujet, il faut dire que les souvenirs représentent pour moi un moment ou des moments qu'on a vécu. Ces moments traduisent des émotions, exprimant à la fois la tristesse comme la joie. Alors c'est ainsi qu'au niveau de la composition de mon œuvre, je me suis inspiré de l'œuvre Guernica de Pablo Picasso. Alors ici, au niveau de ma peinture, j'ai réparti en 5 étapes. La première étape, je parle de l'accueil. Il faut dire que ça s'est bien déroulé et tout le monde était au rendez-vous. Alors voilà qu'à un moment donné de la CAN, on nous replonge quasiment au cimetière.
je traduis cela à travers la deuxième étape de ma toile, le fond rouge, avec le personnage au bras sur la tête, pour dire que là on était en danger. Mais le rouge qui dit danger, le rouge symbolise à la fois la force. Alors, dans la troisième partie de mon travail, là, moi je dis qu'on a joué la finale avant la finale. Le match m'a beaucoup plus marqué, c'est le match opposant le Mali et la Côte d'Ivoire. Et dans la quatrième étape de mon travail, je parle, j'exprime ces sentiments de joie à travers la couleur jaune ici, pour montrer que vraiment, on était en joie parce qu'on a gagné la finale. En ce qui concerne le thème numéro 2, il y a réchauffement climatique parce que nous ne consommons pas localement. Et à l'arrière-plan de mon travail, j'ai illustré dans une harmonie de couleurs chaudes pour citer ces différents problèmes-là face à ce fléau. Le matériau ici que j'utilise, ce sont les tissus. Et ces tissus, je les retrouve un peu partout dans l'environnement, surtout au forum d'Adjamé, après le prêt-à-porter. Alors, j'exhorte tout le monde à prendre conscience des actes que nous posons vis-à-vis de notre environnement. Merci. Et enfin, candidat numéro 5, Mimi Wilfried. Merci Fabrice. Bonjour chers membres du jury. Bonjour chaleureux public. Pour ce qui est du premier thème, d'abord il faut dire que cette canne-là, ça a été un récit de vie que nous avons vécu. Et le maître mot de cette canne-là, c'était la canne de l'hospitalité. Ici, je plonge le spectateur dans une atmosphère où se trouve dans un stade, où il y a de la foule, il y a du mouvement. On a cette impression-là de voir que le travail, il est quelquefois, c'est gratté, il y a des parties qui manquent et tout. C'est pour revenir aux souvenirs. Parce qu'on sait tous que les souvenirs, c'est des moments, c'est des fragments de pensée. Il est important aussi de dire que cette canne-là a été un ascenseur d'émotions. Donc, dans le fond, on retrouve ces différentes émotions-là que j'ai essayé de caractériser par le collage de certaines personnes, où on voit des personnes qui sont en joie, des personnes qui sont surprises, des personnes qui sont étonnées. Voilà. Pour ce qui est du deuxième thème, réchauffement climatique, enjeux et actions citoyens. Bien, d'abord, ce qu'il est important de retenir, c'est que le réchauffement climatique, c'est des variations de température. Ici, nous sommes dans un tourbillon. Dans le fond, on a des couleurs chaudes. Ces couleurs chaudes-là qui représentent le réchauffement climatique, c'est-à-dire ce phénomène-là. Au fond, on a ce qu'on appelle le chaos qui est en train d'avancer peu à peu. Et plus on vient devant le tableau, c'est-à-dire devant le tourbillon, on a cette atmosphère-là de vie. Et sur ce tableau, il y a un petit élément qui est cet élément clé-là, c'est une feuille. Cette feuille-là, pour moi, ça représente la vie, ça représente la nature. Et quand on suit l'œuvre, c'est à cause de cette feuille-là que ce phénomène-là n'a pas encore pris cette avance-là, c'est-à-dire n'a pas encore éradiqué toute cette surface de la Terre, si on veut dire. Donc, c'est pour dire qu'il est important pour nous, en tant qu'êtres humains, de vraiment protéger sa nature. Alors, suite à l'explication des différentes œuvres, je vais à présent me tourner vers les membres du jury pour recueillir leurs impressions. Nous allons débuter avec Maître Augustin Cassis. Je crois que pour cette sixième édition de l'émission, je constate un regain de qualité. Je commencerai par d'abord la compréhension des sujets que nous avons donnés. Je pense que nos artistes ont bien compris les sujets, la façon dont ils ont traité les deux sujets démontre bien cette compréhension-là. Chaque artiste ici se détache de façon particulière. Ils sont tous doués et personne ne ressemble à personne. Variation au niveau des techniques, variation au niveau des matériaux et des matériaux assez maîtrisés. Donc, au niveau général, je pourrais dire que nous avons une très très belle édition. Il y a des éléments au niveau de la technique, sinon des différentes techniques utilisées, des choses qui sont magiques. Des gens qui ont fait de la peinture sans toutefois forcément utiliser de la peinture. On peut faire de la peinture en grattant, on peut faire de la peinture en jetant, on peut faire de la peinture en
Et ici, je découvre un artiste qui a fait de la peinture en effaçant. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'ai vu un artiste qui a fait de la peinture presque en collant simplement. Et même au niveau du collage, presque tout le monde a collé, mais chacun a un matériel et un matériau qu'il a utilisé de telle sorte que son collage est différent de l'autre. Et c'est ça que nous recherchons auprès de la jeunesse qui est aujourd'hui fougueuse et qui cherche et qui trouve et qui avance. Et donc, individuellement, je pourrais dire que chaque artiste partant d'ici peut valablement se présenter à une exposition et qui sera tout de suite acceptée parce que le niveau est bon, la qualité y est. Et vraiment, c'est ce que j'aimerais pouvoir dire à tout un chacun, à tout le public et aux artistes. Maître Augustin Cassis sera suivi par Maître Soro Pewé, qui va nous livrer ses impressions également. Bien, pour cette sixième édition de L'Art nous parle, j'ai pu voir cinq candidats, mais cinq candidats motivés. J'ai vu des artistes qui avaient des choses à dire. Je dis bien des artistes parce qu'en fait, pour moi, ils sont déjà des artistes. Parce qu'ils ont compris les différentes thématiques qu'on leur a données. Ils se sont illustrés de la plus belle des manières. Je pense que le résultat est là. Techniquement, ces candidats-là ont assuré. Ils ont assuré chacun dans son domaine avec son écriture à lui. Chacun a apporté, on peut dire, l'énergie qu'on aurait souhaité avoir. On a vu un travail qui parlait d'un thème A et on descend d'un autre thème B, on retrouve des candidats assez riches en activités créatives. Ils ont beaucoup de ressources, ils sont encore jeunes, ils ont l'avenir devant eux. Je pense qu'ils constituent quand même pour moi une bonne relève au niveau national et au niveau international parce que c'est des jeunes qui s'adaptent. Ils nous ont produit un travail qui est réellement riche et varié. Et là, ce n'était pas réellement donné puisque les thématiques étaient différentes. Ils ont donné, je dirais, de façon chromatique, ce qu'ils avaient de plus cher, ce qu'ils avaient de plus beau. Et le résultat est là. Je dirais qu'on apprécie tous ensemble la beauté du travail qu'ils ont fait. Le plus important ce soir, c'est que chacun parte d'ici avec le sentiment qu'il a apporté sa pierre à l'édifice. Emmener les gens à s'intéresser à l'art, emmener les gens à comprendre le discours de l'art, c'est ce qu'il y a de plus fondamental. Quand un peuple a compris que l'art est la clé de tout développement, je pense que l'avenir est plus radieux. Donc, pour moi, je suis entièrement satisfait parce que j'ai en face de moi des œuvres qui sont magnifiques, les unes que les autres. Je vous remercie. Notre critique d'art, Mimi Erol, quelles sont vos impressions par rapport au travail de nos candidats ? Mon avis, c'est autant la Cannes 2024 organisée par la Côte d'Ivoire a été, dit-on, la meilleure Cannes de l'histoire. Je pense que cette session de L'Art nous parle me fait dire que c'est la meilleure des éditions par la qualité des œuvres. Les artistes se tiennent. Ils ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes. Et je leur souhaite une très bonne carrière quoi, en tant qu'artiste. Parce qu'il y a déjà, moi je ne sais pas, il n'y a pas grand chose à dire. Mais je conseille à ces artistes-là de rester dans leur passion, d'avoir une visée réelle. Je pense qu'ils ont tellement de qualité que ça sera dommage qu'ils ne peignent que pour pouvoir gagner le prix. Mais il faut qu'ils se mettent au travail, de continuer de progresser, parce qu'ils sont déjà à un bon niveau avec leur âge, avec leur temps. Vraiment, félicitations à tous les artistes, à tous les participants de cette édition. Et moi, je vous amène à aller de l'avant, de toujours continuer avec la qualité du travail que vous nous avez fourni. Et enfin, je vais terminer avec notre regard externe, par ailleurs productrice de cette émission, la belle Euphrasie Kouassi, alias Easy. Merci Fabrice. Pour cette saison 6 de l'émission L'Art nous parle, nous avons reçu de très très belles œuvres. Et lorsque j'ai regardé ces œuvres,
Un premier coup d'œil, j'avoue qu'il y a trois artistes qui m'ont impressionnée du coup. Et avec le temps, je regardais chaque œuvre avec les détails et j'ai trouvé que les cinq artistes ont travaillé de façon très méticuleuse. Ils ont du talent et aujourd'hui, il va falloir choisir un super talent. Mais ce que je peux dire aux autres, c'est qu'ils ont du talent et que leur carrière artistique continuera après cette émission Là nous parle. Et j'aimerais qu'à la suite, ils y mettent du sien, qu'ils essayent de travailler encore plus avec, on va dire, les conseils des membres du jury. Parce que demain, c'est avec fierté que Easy Group se dira, voilà, nous, à notre niveau, nous avons, on va dire, posé une action au niveau de l'art en Côte d'Ivoire. Et ce que je peux leur dire, c'est leur souhaiter une très, très bonne chance. Et je ne dirais pas que le meilleur gagne, parce que en matière d'art, j'estime que chacun a un talent. Je dirais peut-être que celui qui aujourd'hui a plus donné du sien dans cette compétition passera. Et puis, voilà, bonne chance à tous. Qui sera le super talent artistique de l'année 2024? Nous nous posons tous la question. Nous n'allons pas tarder à le savoir, mais avant, j'aimerais préciser que le gagnant repartira avec un trophée plus la coquette somme de 1 million de francs CFA et une participation à la Biennale des Arts d'Abidjan. Les quatre autres candidats repartiront chacun avec un chèque de 250 000 francs CFA. Bien avant de proclamer le nom du grand vainqueur de cette compétition, nous allons, comme d'habitude, entamer notre décompte final. Notre décompte de 5 à 0. Public, est-ce que vous êtes prêts? Oui! Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Ok, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0! Avec une moyenne de 8,1 sur 10, le super talent artistique de cette année 2024 est le candidat numéro 3. Galati Kouassi, donc grand champion de cette édition. Je vais demander à Izzy, la productrice de cette émission, de lui remettre son trophée. Sous vos ovations, s'il vous plaît. Voilà. Ok, très bien. À présent, je vais me tourner vers notre super talent artistique de cette saison 6 pour recueillir ses impressions. Alors Galati, qu'est-ce que ça te fait d'être le grand vainqueur de cette compétition? Déjà, merci Fabrice. Il faut dire que c'est un sentiment de joie qui m'anime d'être sacré champion de la saison 6 de Là nous parle. J'étais déjà à une finale en 2022 et j'ai vu l'un de mes amis brandir le trophée. Et donc, aujourd'hui, le trouver aujourd'hui à sa place et brandir ce trophée, vraiment, il faut dire que je n'ai pas les mots et je suis vraiment content. Et j'aimerais porter aussi des remerciements envers les membres du jury et Fabrice et encore Izzy et Frazi pour le soutien tout au long de cette aventure. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci. Je tiens à remercier nos partenaires, la RTI 2, notre partenaire le MUCAT, la galerie Okami Design. Je remercie aussi la structure SGI, Mac African.
Et je remercie particulièrement les membres du jury ici présents. Merci aussi à toi, Fabrice. Je remercie toute l'équipe technique qui a travaillé sur ce projet. Je remercie ce public chaleureux qui est venu nous soutenir. Nous remercions également la boutique Saraja pour ses belles tenues. Et je remercie aussi les téléspectateurs et on se dira à très bientôt. Toutes les bonnes choses, malheureusement, ont une fin. Et donc, nous voici au terme de notre saison 6 de l'émission L'Art nous parle. J'aimerais donc remercier l'ensemble des téléspectateurs qui ont été avec nous pendant toutes ces 13 épisodes. J'espère que vous avez eu de belles émotions en notre compagnie. Merci encore de votre fidélité. Merci à l'équipe de production avec à sa tête Easy. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve l'année prochaine pour une saison encore plus palpitante. À bientôt. C'était hier, quand Boyo jouait sur les pirogues.